Bonjour, je m'appelle Hugo Nadeau. Je présente dans la petite galerie de l'Œil de Poisson une exposition qui s'appelle « Bienvenue 24 heures ». Je dors avec mon portefeuille, mes clés et toutes mes affaires. L'exposition en tant que telle, c'est un amalgame d'une grande série de symboles, d'objets aussi artisanaux qui sont liés ensemble dans une tentative d'en faire un certain tout. Dans la petite galerie de l'Œil de Poisson, je me suis concentré beaucoup sur les particularités de la salle. C'est-à-dire que la salle est de dimension assez restreinte et le plafond est très haut. Ce qui fait que je voulais absolument que ce plafond-là soit signifié. Pour réussir ce genre d'effet-là, ben, j'ai réalisé une fresque dessinée qui, elle, se rend pratiquement au plafond et des textes verticaux qui partent du plafond jusqu'au plancher. J'ai aussi pu modifier la galerie. Je savais que c'était une possibilité de modifier les murs, modifier l'installation, tout ça. Donc, ça compte dans mon exposition. J'ai percé deux trous là, au travers des murs qui créent un certain effet. L'intention que j'avais au départ, c'était, ou l'intention que j'ai fini par avoir et qui m'est restée, c'est celle de reproduire comme sentiment en visitant la salle. Le mystère dans la découverte d'une salle secrète de pyramides, tombeaux, faux tombeaux. Puis c'est à partir de ça que certains dessins me sont arrivés, puis que j'ai commencé à développer ce que je pourrais appeler comme une sorte de thématique, là, j'aime pas ça dire ça comme ça, une sorte de thématique d'exposition, me permettre ensuite, à partir de cette idée-là, d'utiliser librement des symboles, les symboles de mon choix, les images de mon choix, les associer ensemble, sans vraiment me préoccuper de la manière que les gens pourraient l'interpréter ou d'une espèce de gravité pouvant toucher certains symboles comme la svastika sur lesquels je m'accote en ce moment. Je me suis dit que j'allais plutôt réaliser une espèce d'organisme rempli de liens puis d'idées, puis que cet organisme-là allait pouvoir être décodé par le visiteur à sa manière, comme le sont les pyramides, les tombeaux avec leur écriture en pictogramme, leur élément fétiche en quelque sorte, et tout ça. J'ai donc orchestré quelque part mon propre sarcophage en y mettant mes éléments de préférence, mes idées, disons, présentes, mes commentaires que j'ai quelque part écrits pour moi en laissant certaines pistes pour que certaines personnes puissent les suivre et aussi en y associant de différentes idées qui me tenaient à cœur. Là.